Zier a prédit ta venue, Kalatcha. Elle m'a envoyé en finir avec toi. Mais autres que la peine de me parler. J'aime à connaître mes proies, Kalatcha. Leur mort n'en est que plus délectable. Zier m'autorise ce plaisir. Et quel est votre nom? Peu importe mon nom. Sache seulement que Zier m'a confié l'honneur de tuer le Kalatcha et de ramener ta tête au plan astral en guise de trophée. Non. Zier est une chasse-lame du plus haut rang. Elle est la favorite de la reine Lich et a terrassé d'innombrables ennemis. Une chasse-lame? Intéressant tout ça. Nous, chasse-lames, formons un ordre d'élite que la reine Lich a investi d'une mission. Retrouver les lames d'argent disparues et traquer les fous qui les détiennent. Les lames, tu veux dire comme mon fragment? Les lames d'argent sont le don sacré de la reine Lich à ses servantes dévouées. Bien des étrangers les convoitent. Les voler est le crime le plus grave qu'ils puissent commettre. Qui est la reine Lich? Vlakit, la reine Lich, gouverne les guides depuis des millénaires. Il parle beaucoup, cet homme. Elle n'est dépassée en grandeur que par guide elle-même. Mince. Je refuse d'en dire davantage. Très bien. Tu oses douter de ma dévotion? Oups. À la reine Lich? Exécutez le Kalatcha. Merde. Pour Zier. Ah. Oula. Désolé. Il y a un problème. Débrouillez-vous. Je n'ai pas le temps. Putain, il joue rien. Bagarre. Là, le chasse-lame. Quel gars, espèce de con. Oh la vache. On protège. Les gars, protégez. C'est le plan numéro 1, protéger Kara qui fait je ne sais quoi. Oui, le chasseur, vite. Ok, c'est réglé. Le chasseur est mort. J'ai un personnage qui survit. Ah non, mon perso principal qui devait survivre avec un PV. Il y en a encore deux là-bas. Trois là-bas même. On va essayer de s'en charger rapidement. Parfait. C'est tout. Bien. C'est allé rapidement. Et tant mieux d'ailleurs. Donc voyons voir. Katana, une armure. Bon bah donc du coup, Karash. Oui. Je sais, ma petite Karash, je suis navrée. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste fouiller tes objets, ma grande. Qu'est-ce que tu... Non, ça c'est un sort. Alors, katana plus un sans héritage. Oh. 19-20, bonus d'altération, bonus de dégâts contre mauvais 1d6 ou son. Oh. Bâton plus 2. Oui, et voile des gardiens. Ah oui, je connais ça. Qu'est-ce que c'est? Une armure décaillée du juste. Modificateur plus 1, métal, détection de la visible, jet de vigueur. Oh. Je vais la mettre sur le personnage, ainsi que la lame. Voir si je peux m'en équiper. Oui. Voyons voir. Ah non, je ne peux pas, j'ai pas l'arme, je n'ai pas le... Le fait d'utiliser des armes exotiques. Oui. Est-ce que toi tu peux... tu peux t'équiper. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, je suis pas vraiment convaincu. J'ai encore plein de choses, j'en profitais. Arc long, ça pourrait être très intéressant. Et l'hallebarde. Je sais, est-ce que toi tu peux utiliser une arme exotique? Ah, lui il peut utiliser des gants, je pense. Ouais, il a pas de gants. Non, il peut pas utiliser. Et le katana. Oui. Voyons voir. Hallebarde plus 2, inutile. Arc composite plus 1. Anneau de protection plus 2. Plus 2 à la modification d'armure. Parfait. Et donc ouais. Normalement, toi avec un arc
composite plus 1. 1 des 8 x 3 et 1 des 8 x 3. Bonus d'attaque. Bonus d'arme de force, bonus d'attaque. Bah, en fait, tu vas prendre ça. Bien. La caverne de Gitianki, je vois où je suis. Je vois à peu près où je dois aller. Voilà, merci. Alors, il faudrait que j'aille descendre ici parce qu'il y a quelque chose. Qu'il y avait quelque chose. Ou alors, c'était le jeu qui avait pété un plomb. Et redescendre, aller là-bas. Et là, il y a un petit renfoncement très étrange. Très bien. Très, très bien. Et ben, allons-y. Explorons un peu cet endroit. Non, c'est un campement. C'est un campement. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Carreau d'arbalète. Ouais. Oui. Carreau d'arbalète, je ne suis pas certain que ce soit utile pour lui. Ouais, c'est complètement autre chose. Oui. Bien, alors. Oula, 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 oula. Excusez. Oula, 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 la bagarre. À mon avis. Succube. Succube. La succube, ça va être le plus. Non, ça va pas être le plus important, évidemment. Hop. La succube. Attaquez la succube, les gars. Oula. Oula là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. Succube 50 XP. C'est très étrange de croiser une succube ici. Gitianki charmé? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y aurait une succube dans ces cavernes? S'il y a une succube, ça veut potentiellement dire que quelque chose se trame. Et c'est un quelque chose qui ne me plaît pas énormément. Évidemment, un piège. Est-ce que je vais réussir? Sabotage russe. Là, on va arriver dans une salle qui, je pense, va être un. Cette salle me semble importante. Trouvez la chef Gitianki et emparez-vous de ses fragments, Axis. Ne laissez aucun survivant. Quant à ces intrus, occupez-vous d'eux. Oula, oula, j'ai vu une, deux, trois succubes. Trois succubes, pardon. Trois succubes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout sur une succube, vraiment. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Est-ce que la magie peut aider? La magie, Kara, la magie! Nom de Dieu, la magie, Kara! Ça risque d'être très compliqué. Non, quel gare, on s'en fiche. Ah, oui, la magie, le feu! C'est le feu qui feu, qui marche, qui feu. Qui... On a tué la dernière succube, il nous reste juste un petit... Non, il reste personne. Nom de Dieu des succubes, je déteste, c'est mes nouveaux ennemis que je déteste. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Des malus, des malus, des malus. Aïe. C'est pas une bonne nouvelle si ça malus à fond, compétence réduite. C'est bon, les sorts sont assez sont temporaires, c'est pas comme la maladie. J'aime pas cet endroit et ça ne me plaît guère. Pour le moment, ça se débrouille bien. Potentiellement un level up. Oula, un Gitianki, évidemment. Le Gitianki d'abord, s'il te plaît. S'il te plaît, le Gitianki d'abord. C'est l'ennemi le plus dangereux. Et ensuite le reste.
C'est bon. Parfait, Kara, parfait. Impeccable. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il est lui. Il est en arrière, il est trop loin, il m'énerve. Ce Gitonki, qu'est-ce qu'il a? Quelques pièces. Et un autre con que je peux me reposer. Je vais beaucoup me reposer. Cette zone, je vois qu'il y a au moins un boss. Cette créature énorme qui m'attend. Du coup, je rappelle qu'avec Kara, j'ai quand même des sorts pour me booster. Qui ne sont pas utiles pour le moment. Ça arrive à se laisser faire au niveau des ennemis. Mais ça risque d'être utile pour le boss. Ah, qu'est-ce que... Quoi, t'es glitch ? Oh là, qu'est-ce que... Un piège. C'était un piège, j'ai déclenché un piège. Des diablotins ? Qu'est-ce que... Des diablotins, des succubes et des Gitonki charmés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très étrange ce qui se passe et ce qui se trame. Ça me plaît pas du tout. Au fond du couloir, je vois que là, il va se passer un petit combat. Écoute. Il résonne comme une cloche au moindre coup. Je peux encore sentir l'odeur fétide de son créateur qui imprègne le métal. Pourquoi les guides conserveraient-ils une chose pareille dans un état aussi lamentable? Nous devrions la mettre en pièces, voir si ses membres remuent toujours une fois arrachés. Qu'avons-nous là? D'autres proies torturées? Ah. Attendez, attendez. Ouais, on va laisser l'armure. Elles ont mis une potion de... Elles ont un sort d'écorce. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça y est, la potion commence à ne plus faire effet. Je comprends mieux. Voilà. Allez. Cette chose repousse les attaques. Je peux pas... Kara est sonné. Mince. Non, c'est bon. Flèche d'acide, peut-être. Ah, c'est bon. À mon sens, tout ce que ces démons s'amusent à torturer est un allié. Une créature artificielle. Un bloc de matériaux élémentaires animé par magie. Une structure inerte éveillée à la vie. Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un golem de l'âme. Façonner un tel spécimen demande un pouvoir considérable. Bien plus que je n'en dispose. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Quoi que ce puisse être, cette chose ne servait ni les Gitonki ni les démons. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre se mêle de nos affaires. Ça te fait combien d'ennemis d'ailleurs? Ça commence à chiffrer, hein? J'ai du mal à suivre. Comme c'est étonnant. On se calme. À mon avis, cette chose pourrait se vendre une petite fortune. Embarquons-la, pour la refourguer à un magicien. Non. Quoique... peut-être que... On reviendra ici. Alors, mon pote... Alors... Ça dit rien. Ça ne dit rien. Si un magicien peut l'étudier, ça me permettrait d'avoir des informations dessus. Et en même temps, Kara, dommage qu'elle n'ait pas assez de puissance magique. Ah merde, niveau absorbé.
Non, Kara, s'il te plaît. Le problème étant que les succubes sont des ennemis que je déteste parce que en plus d'avoir une peau d'écorce en sort, ça dure assez longtemps et pour ne plus l'avoir, il va falloir plusieurs dizaines de secondes. Bon, qu'avons-nous là? Un piège. Faut que je le désamorce rapidement. Ça a été désamorcé, évidemment. Merci. Quel gars! Tu es toujours une personne incroyablement... incroyable. Et la succube, évidemment. Pardon? Non, il n'y a personne. Qu'est-ce qui peut marcher contre? Oh, la magie ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Oh, il n'y a que les critiques qui ont l'air de fonctionner. Les rayons de froid ne marchent pas. Bon. Je ne comprends pas ce qui peut être utile contre les succubes. Quelques piécettes. Oh là là. Compétence réduite et deux niveaux absorbés. Ça par contre, ça va demander un certain temps. On arrive au bout de cette grotte et il est temps de se booster. Il est temps de se booster avec ici armure. Voilà. Il est temps de se booster, il est temps de voir ce qui m'attend au fond. Et ce qui m'attend au fond n'est sûrement pas une créature qui va m'apprécier. Ah, j'ai aussi un sort de résistance. Bon, on va en profiter. Et quel gars. Parfait, parfait. Bien, tout le monde a sa sauvegarde et sa classe d'armure augmentée. C'est exactement ce que je voulais. Allez, il y a forcément un dernier piège. Oui, j'entends quelque chose. Je le savais. Je le savais. Oula, oula. Alors un piège. Et Gichanki contre des gobelins encore. Ah, par contre ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose d'un peu plus vénère derrière cette porte. Ça s'est réglé assez facilement. Très bien. Bah il reste plus qu'à aller ici. Qu'avons-nous là? La suite des cavernes. Eh bien enfonçons-nous. Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Voilà une race opportune. Voilà une rare opportunité, mes sœurs. Un puissant démon pris au piège entièrement à notre merci. Pardon. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de distraire et de le soulager de ses souffrances. Ou bien devrions-nous le persuader en nous distraisant, en nous faisant distraire. Qu'en dis-tu, démon? Mes soeurs, ce magnifique spécimen m'a tout l'air d'être insensible à leur charme. Quel dommage, cette profonde indifférence me blesse. Ah, combat. Et ça se met une peau d'écorce. Mais un diable? Qu'est-ce que c'est que cette...
Non, allez, non. Concentrez-vous sur une seule succube, les gars. S'il vous plaît. Oh, parfait. Première succube. Deuxième succube. Ah non, je suis... Ah non, je suis ralenti. Aïe, c'est bon. Ça n'a pas duré très longtemps. Voilà, parfait. Par contre, il y a un démon et ça, ça me plaît pas. Salutations. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir débarrassé de ces parasites. Votre secours m'a été précieux, même si je doute que vous... que me venir en aide et motiver votre arrivée, ou combien opportune. Je vous souhaite vous aider en retour, si vous me l'autorisez. Diplomatie et merde. Je ne suis pas ici par choix, voyez-vous, j'ai été confiné à l'intérieur de ce cercle par les Gichanki, de vieux ennemis à vous, je crois. Une fois leur merci, j'étais content de façonner cette barrière pour interdire toute intrusion. Comment les Gichanki s'y prennent-ils pour passer dans ce cas? J'ai passé l'intelligence. Ah si, ça c'est un choix que je peux faire. Ce ne sont pas les Gichanki qui ont ordonné une telle création, je suis désormais au service d'un nouveau maître. L'âme de la Gichanki qui m'a convoqué a été dévorée par un Tanari, un démon du nom de Zaxis. Oh, récemment arrivé en ces lieux. Absorbé à l'âme de la Git lui confère à présent le pouvoir sur moi, je ne peux désobéir à Zaxis si personne n'agit, la barrière demeurera intacte, hélas. Eh bien, dis-moi. Cette barrière n'est pas un simple obstacle fait de pierre ou de métal, ni une vulgaire porte protégée par un verrou subtil. Existe hors de ce plan à l'instar des portails Gichanki. Ma présence ici l'alimente en pouvoir et lui permet de conserver sa forme. En revanche, me bannir de ce plan l'obligerait à la bannir à trouver sa forme initiale. Un obstacle plus insignifiant. Alors, comment puis-je vous bannir? Il vous suffit d'invoquer mon nom véritable. Bien entendu, il me faut votre volet, ce que vous n'utilisiez qu'à cette fin. Cet accord sera aussi contingent que peut-être ce cercle. Si vous détenez de moi, sachez seulement que je ne souhaite pas obtenir libre passage pour vous comme pour moi. Du moment que vous respectez votre contrat, est-ce que j'ai assez? Bien sûr, yes. Mon véritable nom est Méphasme. Prononcez ce nom et dites je vous commande de quitter ce plan. Méphasme. Je vous commande de quitter ce plan. La barrière seront comme promis, je vais l'appeler à moi et vous verrez par vous-même. Regardez, ce misérable caillou n'est plus un obstacle. Tenez, gardez-le, il vous sera utile. Oh, notre prochaine rencontre, soyez-en sûr. Au revoir, mon cher ami. Obtenu sphère interdimensionnelle. Oh, examinez un peu. Cette sphère est tout ce qui reste un champ de force mystique désactivé. Elle ondule bizarrement et l'espace autour semble distordu, comme si la sphère s'efforçait d'elle-même d'un autre plan. Utilisation illimitée, activer objet longue portée. Que voilà quelque chose de très 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 intéressant. Eh bien, je vais cependant explorer tout cela. À mon avis, si j'avais demandé de me rejoindre, il se serait passé quelque chose de pas très très sympathique. Niveau XP, on n'est pas très loin. Une succube. Si je peux, là. Est-ce que je peux attaquer avant qu'elle utilise? Yeah. Oh non, oh non! Il y a une succube qui est invisible. Il y a une succube qui est invisible. Je rêve pas. C'est moi qui ai rêvé. Non. Par contre, ça c'est un piège. Oh oui. Parfait. Ah. Oula. Oulala. Deux, trois diablotins. J'aime pas bien ça. Aïe aïe aïe, niveau magique, ça va être très complexe. Comment tu peux faire un renversement sur une créature qui vole? Il n'y a rien ni ça. Oh, petit coffre. Oh, Okara, s'il te plaît, j'ai besoin de ton savoir. Kara, ma petite Kara, voyons voir. Négation de l'invisible. Très bien. Et il y avait autre chose. Baguette de sommeil, arme de feu. Très bien, baguette. Et grand encensement manteau, mais je l'avais déjà. Très bien. Eh bien, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui. C'est tout ce qu'il y avait ici. Semble-t-il que oui. De l'autre côté de cette salle, il n'y a rien du tout. Eh bien, allons de l'autre côté.
Il y a toujours son feu qui ne m'inspire pas confiance au démon. J'essaierai quand même de voir ce que ça fait cette sphère un peu plus tard. Si jamais je l'ai toujours dans mon inventaire d'ailleurs. Des diablotins et des succubes. Ainsi que des Gichanki. Bien. Maintenant, cette succube. Avec sa peau d'écorce. Pas la renverser. Ah si, j'ai pu la renverser, tant mieux. Mais elle a toujours son saleté de sa saleté de sort peau d'écorce. Il va falloir que j'attende que ça se dissipe et ça peut être assez long. C'est très très long, au secours. Y'a rien qui marche. Eh hey, mais elle est camouflée en plus. Oh, Kara a plus de sort. Si, elle a encore ses sorts au corps à corps. Ah, ça y est. Ça pour les corps, c'est tombé. Voilà. Ah, la peau d'écorce qui met un très long temps. Parchemin. C'est pour elle. Évidemment, elle est bourrée de plein de boost. Kara, techniquement, ne peut pas décéder. Ici, qu'avons-nous ? Gichanki, charmé et succube. Et un diablotin, évidemment. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est elle, c'est cette saleté. C'est pas possible que ce soit le diablotin. C'est impossible. Oh, un sort d'effroi. Bien vu. Kara, je vais la ramener. Oh là là, le centre d'effect, il est quand même gratiné. Hop, et... est-ce que tu peux viser à ce cul ? Voilà, merci. Allez, s'il te plaît, enlève ton saleté de sort et ton camouflage, merci. Allez, faut qu'il y ait au moins un truc qui passe. Il ne reste pas grand chose. Ah, super. Bien, et il y a énormément de sarcophages. On va se reposer ici. Des ennemis sont proches. Ah, des ennemis ici. Très bien. Ok. Des ennemis ici qui sont sûrement importants. Et là, il y a forcément quelque chose. Dard de diablotin. Bah, tu le gardes. On avance. On avance, vraiment, le niveau suivant se rapproche de plus en plus. On va se mettre à ce niveau, se booster. Tiens, c'est parfait ici. Kara. J'ouvre la route. Contentez-vous de suivre. Mets-toi un sort. Et booste tout le monde, du coup. On voit le cercle sur la map, tiens, je viens de remarquer. Très très cool. Allez, encore un sort de protection.
Donc il y a un temps, je viens de découvrir qu'il y a un temps de préparation et un temps pour lancer le sort. Ce qui se tient. Bien, oui. Eh bien nous pouvons aller voir ce qui nous attend là-bas. Quelque chose me dit que ça ne va pas me plaire. Bien sûr. Lui en premier et elle ensuite. Pourquoi je... Qu'est-ce que... Oh! Bien vu. Il y a forcément d'autres ennemis. Je viens de prendre un sort qui me ralentit. Oh, horrible. Horrible. Ça, c'est vraiment pas la meilleure chose. Non, 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 non. Vous allez pas agresser. Ah! C'est parti. Merci. Et... Le coffre ici, là y a rien. Bien. Eh bien, je sens qu'un combat va m'attendre. Zaxis, c'est pas comment vous avez franchi le barrière, mais Zaxis apprécie de vous voir. Cette porte résiste à nos coups, mais nos griffes déchireront vos chairs sans difficulté. Salomon a bien besoin qu'on lui rabatte un peu son caquet. Je veux tirer quelques informations. Parle avec cette chose, sois pas stupide. Comme tu voudras, mais un geste de trop et je lui trouve la carcasse. Pourquoi attendre, mortel? Tu redoutes d'affronter Zaxis? Nous sommes tous deux ici pour la même... Oh, diplomatie. Eh merde. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. Les succubes. En premier, les succubes, les gars, avant que ça lance un sort de ses morts. Oh, il a une aura de poison, je viens de le voir. Il a une aura de poison. Il a une aura de poison et il se déplace très étrange. Il a une aura, je le savais. Ça va être très compliqué pour mes deux personnages. Là, il a plus de vie. Aya, vite. Il a... Ouf, ça va. Ça s'est bien passé. Oh no. Chandra ? Merde. Putain, faut que j'y aille, mais je suis bourré de malédiction. Je suis bourré de malédiction, au secours. C'est bon. Sauvegarder. Je peux pas la laisser là, c'est pas possible. À moins que ce soit... Pourquoi je peux pas accéder à la porte? Amulette. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas B, c'est I. Excusez-moi. Amulette. Oh là là, il y a des trous. Comment c'est ça qu'il y a des trous dans son inventaire? Oh non. Oh, ça va être énervant de tout retrouver. Et elle est où l'amulette? Prière. Oh. Non, ça c'est un sort. Où est l'amulette? L'amulette. Volonté plus 3. Oh. Volonté plus 3. Bah attends, c'est toi qui as de la volonté. Ouais. Volonté plus 1. Tiens. Volonté plus 3. Oui. Bien, attaquons-nous à ce combat. Parce que je vais quand même prendre le temps d'aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté. S'il n'y a pas une petite surprise. Un coffre, une boîte. Un machin. Sinon, ce sera combat. Il y a un drop que j'ai raté, bien sûr. Porte d'Ilfarn. Ah ah, d'accord. De ce côté-là, il n'y a rien du tout. Eh bien, écoutez, prenons la porte d'Ilfarn. Oh lol. Je vais te dire ce qui se passe, ma grande, c'est que. Falloir nous préparer. Et là, vraiment falloir bien nous préparer. Heureusement qu'elle a quelques sorts de protection. Pourquoi j'ai un...
J'ai un sort en double que je ne comprends pas.